Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Bon voilà, c'est la sécheresse, hein, la vraie sécheresse. Je pense que les vraies pluies significatives, les dernières qu'on a eues ici, remontent à... c'est même plus en semaine, on peut compter quelques mois en arrière. Hein, ça commence vraiment à être très 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 préoccupant. Et donc, voilà, pour ma part, ce sont les carottes en particulier qui sont en train d'en souffrir, vraiment. Donc celles qui étaient déjà levées sont en train de sécher. Je vais vous montrer ça de manière plus proche, hein, plus en détail. Et d'autres carottes par ailleurs que j'ai pu semer, Purple Haze par exemple, ou enfin d'autres variétés de carottes comme ça, un peu colorées au demeurant, sur lesquelles j'avais placé un peu d'espoir, eh bien n'ont pas démarré du tout. Hein. Donc voilà. L'idée malgré tout, c'est pas de subvenir aux besoins en eau de ces plantes là et au final d'avoir des carottes qui vont nous coûter 8 ou 10 fois leur prix quoi, hein, pas tellement on aura arrosé, hein, c'est pas ça l'idée, hein. Donc je fais le choix de les sacrifier sans trop de difficultés, tant pis, hein, ce sera pas une année à carottes. Voilà, d'un autre côté on a récolté pas mal de petits pois, c'était qui était vraiment excellent d'ailleurs. Les courgettes commencent à bien donné aussi, on a les premières qui arrivent là, et puis les autres qui sont pleines de promesses. Les choux se forment bien, pommes correctement, les haricots verts sont pas mal non plus. Il y a des tomates un peu partout dans la serre, et puis il y a cette fameuse courgette mystère dont on a parlé la dernière fois. Je vais vous remontrer une photo du fruit qui est en train de se former. Voilà, ça vous aidera un petit peu peut-être à déterminer de quoi il s'agit exactement. Ce que je vais faire également aujourd'hui, c'est que je vais arracher l'ail qui est derrière moi là-bas. Je crois que là c'est... Bon, on voit que c'est un peu en train de jaunir. En fait, c'est attaqué par la rouille tout doucement. Et puis, le feuillage est en train de mourir, quoi. Donc, je pense qu'il est temps. On va récolter ces ailes. Là encore, les cailleux ont l'air plutôt de gros volumes, de gros calibres. Et ça semble, là aussi, plein de promesses. On verra bien. Hein. Et on replantera à la place de cette aille quelques betteraves jaunes qui sont, paraît-il, vraiment excellentes. Alors moi, je suis assez amateur de betteraves rouges. A priori, elles seraient encore meilleures. On remettra aussi quelques choux de Bruxelles. Il me reste quelques plants, là, puis un peu de salade. Hein, voilà. Bon, je vais éviter de remettre des poireaux là où il y avait cette aille plantée. On trouvera bien une place par ailleurs pour planter nos quelques 300, je pense, petits plants de poireaux voilà, dans les jours qui viennent. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. C'est de l'ail qu'il conviendra évidemment de laisser sécher. Alors peut-être pas ici sur place parce que je vais pas laisser traîner la rouille sur le potager, puis comme on veut réinvestir la place pour autre chose. Mais on va les laisser sécher quand même sur le sol, dans la cour de la maison, hein, tout simplement. Hop, voilà. Elles n'ont pas toutes la même force, mais globalement, ça semble plutôt réussi. Alors clairement, ce qui nous conduit aussi à prendre cette décision d'arracher l'ail, en plus du problème de rouille, eh bien c'est qu'on a vu que l'ail de notre copain à côté avait été arraché également, et du haut de notre méconnaissance, on agit un petit peu par mimétisme, hein, tout simplement. Mais bon, en les arrachant, là, je constate que c'est effectivement très différent des petits cailloux que j'avais plantés à la fin de l'hiver dernier, quoi. Voilà, c'est pas mal.
c'est pas mal du tout, mais bon, ils sont pas encore de la taille de ce qu'on peut retrouver chez nos oignons, par exemple, qui pour certains font déjà la taille d'une grosse orange, on va dire. Hein. C'est même à se demander si, sur le plan gustatif, culinaire, ça va encore être intéressant d'avoir des oignons de cette taille-là, quoi. Bon, on verra bien en temps voulu. Voilà, donc on va voir un peu comment on continue de gérer cette sécheresse. Il est vraiment temps qu'il pleuve, hein. On a de l'eau dans le ciel, mais ça ne veut pas tomber. Et c'est comme ça depuis un moment. Puis il y a ce vent aussi qui est lui aussi très très asséchant finalement. Hein. Ça, c'est aussi un problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous quitter quand même sans vous remercier vraiment pour les très nombreuses interventions. Généralement, quand je poste une vidéo, derrière, j'ai un certain nombre de remarques, de conseils, de remarques constructives. Il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière. Alors, pas toujours, parfois un peu contradictoires les unes avec les autres. J'essaye de faire un peu avec tout. En tout cas, c'est super de prendre le temps, hein, de produire ces considérations, ces avis, etc. Et de venir nous les écrire sous les vidéos. Merci pour ça, quoi. Hein, vraiment, en démarrant un peu ce projet, on s'imaginait pas que ça serait aussi, qu'on serait autant dans l'échange finalement avec tous ces jardiniers qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose que je voulais préciser et pour laquelle je voulais vraiment vous remercier. Voilà, c'est fait. Je vous dis donc cette fois à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.